Voilà, c'est la reprise pour Albi Vélo Sport. Alors, on rejoint l'hôtel Ibis avec Chana. C'est dimanche et je ne sais pas quelle température il fait, mais visiblement, il ne fait pas chaud. C'est froid, hein ? C'est froid. Samuel ? Tu viens pas avec nous, toi. Bonne année quand même. Et bravo pour ta course en Normandie. Thank you.
pas envie de mettre mon pied là. Non, ça c'est pas glacé, mais par contre là. Oh non. Là, ça reste pas glacé, hein. Mais tiens, Chana, attention. Ouais, non, mais ouais, j'ai vu ça. Il peut jouer le même endroit, ouais. Et il sera meilleur. Hein. Tu sais qu'il a commandé pour toi. Avec la borne, avec la borne. La borne, comme un grand, il connaît. C'est de l'informatique, quand même. Bon, les gars, à votre bon samedi à tous, bon ami, bon vélo et tout, hein. Et que vous gagnez au loto une fois par an. D'abord le loto, une fois par an, si tu gagnes au loto, quand même. Je vais pas déranger, quoi. Il tape sur l'épaule de la petite, comme ça. Il lui dit, vire. C'était un 737, 130-140 personnes à bord. Il dit, oh, vire. Et la petite le regarde. C'est pas prévu tellement comme ça. Et il dit, oh, vire. Et la petite a fait... Elle fait comme ça, là, mais pour faire 90 degrés plein sud, non, ça marchait pas. Et oh, il prend le manche, lui, un 730, il prend le manche et il fait... Alors, il plonge, ça veut dire l'avion, il descend de 2000 mètres, et puis à gauche, tout à gauche, et l'avion se met sur l'aile, Et moi, j'imaginais les verres, les machins, les bouquins, les bagages. Et il arrive, et il a fait 90 degrés, il s'est détourné complètement du plan de vol. 90 degrés en plongeant de 2000 mètres, alors j'imaginais le contrôle aérien, moi je me disais, contrôle aérien, et il descend, il se met, on allait est-ouest, et lui, il oriente nord-sud pour longer le pic Aconcagua. Et en arrivant, moi je voyais, j'ai même vu des gens, une cordée à un moment. Il me l'a dit d'ailleurs, une cordée, donc on était peut-être à 11 000 mètres, il est descendu à 9 000 mètres à peu près. Et donc plein sud pendant 2 minutes, 3 minutes. Et il me dit, ah, magnifique. Et moi je lui dis, oui, magnifique. Et la petite, elle était là. Et à un moment, quand il en a eu assez, et que j'étais content. Il tape sur l'épaule de la petite et puis il dit, wow, Santiago. En arrivant, je me suis dit, c'est un Chibani, il va pas se faire tirer les moustaches, mais... On a 2,80€, on ne peut pas couvrir les frais là. C'est le contribuable qui paye là. C'est les classes là qu'il faut niveler là. Alors. Salut Claudia. Ça va? 1 minute 30 pour son discours politique. Après, il s'est jeté sur la Panna Cotta. Tu viens de jouer au baby-foot comme des vrais garçons ? Je ne sais pas où, là. Si, maintenant, il y a... Ben, c'est un bel ici. Qui c'est qui a mis la... Thank you.